Nous lisons dans la Bible, dans l'Ancien Testament, le psaume 33. Donc, la bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Et au verset 7, il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. Actuellement, il a été découvert que sous l'océan, il y a énormément d'eau douce, des réservoirs d'eau douce qui s'appellent des aquifères. Et certains vont jusqu'à dire que nous avons 3 fois le volume des océans sous les océans, des réservoirs d'eau douce. Mais ils ont commencé d'être découverts en 2013, comme ça. Alors, ces réservoirs d'eau douce, certains les voient comme de l'eau, et d'autres comme des sortes, une sorte de minéral. Donc, c'est une sorte de pierre qui s'appelle ringwoodite. ringwoodite. Et ce minéral qui est une pierre contient énormément d'eau. Si nous lisons, donc ça va avec les réservoirs d'eau, ce serait peut-être leur couvercle. Alors, si nous lisons Job 38, 30, où est le livre de Job? Alors, Job 38, 30, pour que les eaux se cachent comme une pierre et que la surface de l'abîme, etc. Donc, les ringwoodites qui contiennent énormément d'eau sont vus comme des pierres.